Monsieur, mais chante comme un opéra. Oh, oh, un opéra, ça chante avec des voix d'opéra, là, il chante. Et puis tout le monde l'applaudit. Oh! Il chantait le nom de Jésus et tout le monde l'applaudissait. Abomination. On n'applaudit jamais le choral. On applaudit Jésus-Christ de Nazareth. On rend gloire à Dieu. Tu peux dire aux frères qui ont chanté, ah, vous avez bien chanté, que Dieu soit loué. Mais vous n'allez pas applaudir. C'est pourquoi je suis allergique au choral avec des uniformes là. Et puis après, ah, les gens, il y a Noël, il y a Noël, après vous allez voir ça. Personne ne rend grâce à Dieu. On applaudit les choristes. Tout le temps qu'ils ont préparé au nom du Seigneur est perdu. Ils n'ont pas rendu gloire à Dieu. Les succès, ils se sont attribués leur succès. Les succès appartiennent à Dieu, la gloire appartient à Dieu. Tu dois pas dire, oh merci mon Dieu pour ce que tu as fait pour ces jeunes gens. C'est parce qu'ils sont intelligents quand ils disent, applaudissez Dieu pour notre chorale. Ça, ça se fait. Mais tu ne peux pas applaudir la chorale. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Oh mon chiffre à la carrière. On revient sur Juges chapitre 7. Amen. Alléluia. Donc, autant de ta gloire, autant de ton succès, quand les choses marchent, fais attention que tu ne deviennes le centre tu dis, moi je suis le. Oh, ça c'est le plus grand CEO du monde là. Tu marches là, tout le monde est content là. Mais toi, c'est Jésus qui t'a béni. Toi, tu ne rends pas grâce à Dieu, t'as le problème. Alléluia. T'as le problème. En d'autres termes, tu deviens idolâtre. Tu adores ce que Dieu t'a donné, qui est plus que. Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 3. Sinon, vous allez bien, il parle de l'Ancien Testament et on prend tous les textes pour vous montrer les principes précis, l'Esprit nous met dans le cœur. 1 Corinthiens chapitre 3. Alléluia. Amen. Amen. Je vous disais donc que les serviteurs de Dieu que Dieu met devant vous, ce n'est pas Jésus-Christ. Et celui qui va rencontrer demain ne sera pas Jésus-Christ. Celui qui va rencontrer après demain ne sera pas Jésus-Christ. C'est un serviteur de Jésus-Christ. C'est un instrument de Jésus-Christ. Vous les respectez, vous adorez Dieu. Simplement, vous adorez Dieu. Beaucoup de gens qui ont bien commencé, ont commencé le mouvement comme les The Way aux États-Unis qui est un peu parti en Afrique. Et non, les Branham, pas les Branham. William Branham, c'était un grand serviteur des années 40 aux États-Unis avec Billy Graham et tout ça. C'est la même génération avec notre père Kenneth Guide. C'est la même génération. Il avait celui qui avait les dons de miracles les plus forts de ces années-là. Et puis à un moment, il voulait en faire plus, il s'est risqué dans l'enseignement. Ce qui fait qu'il a enseigné les régimes. Et Dieu l'a coupé. Il est mort à l'âge de 60 ans, très jeune, dans des accidents d'avion. Dieu avait avisé qu'il était qu'il mourait. Et il était mort. Alors, maintenant, les gens, après lui-là, en ont fait une autre secte. Ils le considèrent comme les seuls prophètes de fin des temps. Ah oui. On les place un peu avec Jésus et les hommes. Là. Ils sont à côté. Et beaucoup sont perdus à cause de ça. Quand il regarde les vidéos des années 30, il voit les miracles. Ah oui, le miracle. Oui, le miracle était vraiment de Dieu. Mais l'homme de Dieu n'a pas bien géré. Il n'a pas bien géré ton succès. Les choses de Dieu ne sont pas faciles. Il faut bien gérer le succès de Dieu. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Tout le temps. Alléluia. Amen. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Corinthiens 3, verset 21 à 23. L'apôtre Paul dit, on est là nous tous, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 à 23. Alléluia, c'est très important ce que j'ai dit tout à l'heure. Amen. Nous voyons toujours la fin, les leçons de la fin de Jules de Jérubal. Amen. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Cephas ou Pierre si vous voulez, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. Amen. Amen. Ne mettez pas la gloire dans les hommes. Respectez les hommes.
Ne pas mettre la voix dans la langue, ne pas dire de venir critiquer pour les pasteurs ou mépriser les pasteurs. Ou dire, hé, hey, nous tous nous avons frères, nous sommes frères, frères, nous tous avons l'onction. Ah, ça, Marie essaie de. La sœur de Moïse l'a fait, il a dit, il a tapé la lèvre. Vous respectez, mais ça se dit que comptez sur Dieu. Même quand vous demandez, ah, pasteur l'aura pris pour nous. Comptez sur Dieu. Lui, il n'est qu'un instrument. Demandez à un frère, j'avais pris pour moi, il n'est qu'un instrument. Frère, tel pris pour moi, yeah. Sœur, tel pris pour moi, elle n'est qu'un instrument. Alléluia. Amen. Tu vois, c'est le peuple qui vient dire à Jérôme, hé, parce que tu nous as fait du bien, domine sur nous, maintenant, domine sur nous. Il a dit, non, 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 ce n'est pas moi qui va dominer sur vous. C'est l'Éternel qui est. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir une fille heureuse, malgré les fautes qu'il a fait, qu'il est venu un acte de la foi. Parce qu'il a dit au peuple, non, non, moi je ne vais pas dominer sur vous. C'est Dieu qui va dominer sur vous. Amen. Parce que Dieu n'est pas un grand père. Moi je peux vous aimer, je dis aux gens. Je peux vous aimer, je t'aime bien ma fille, je t'aime bien. Je peux vous aimer et gêner pour vous. Mais quand vous oubliez Dieu tout le temps, Dieu va frapper. Dieu n'est pas un grand père. Alléluia. Il peut dire, il a dit à Jérémie, toi le plus bien pour ce jeune-là, je ne vais pas écouter tes prières. Je peux dire à un prophète de Dieu, je ne prie plus pour cette personne-là, je n'écoute pas, parce que la personne n'écoute pas, ne prie pas pour la personne. Il y a une jeune fille qui vient de me voir en 2000, elle est venue pour un problème, et puis j'étais préparé pour prier, j'ai fait un jeûne, je crois, une journée pour elle, et puis elle est arrivée. Puis dès que j'ai commencé à prier, je me suis dit, ne prie pas pour elle. C'était tellement fort. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dit à la belle jeune dame, Dieu me dit de ne pas prier pour toi. Elle est partie. Après, je sais pourquoi. Elle n'était pas correcte avec Dieu. Elle prenait un serviteur de Dieu comme on va avoir un féticheur. Pour venir voir un serviteur de Dieu, prophète de Dieu, prépare ton cœur par une vraie repentance. Toi, sois d'accord avec Dieu pour voir le serviteur de Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec Dieu, vous perdez le temps. Alléluia. Quelques temps après, je suis, il y avait des problèmes, ils sont battus avec quelqu'un dans la rue, et puis j'ai compris ce que c'est. Alléluia. Amen. Donc, personne ne met sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Tout est à vous, enfant de Dieu. Hein? Il dit que Paul c'est un instrument, Apollo c'est un instrument, Cephas c'est un instrument, et ce que vous avez aujourd'hui dans la cassette c'est un instrument. Alléluia. Simplement ça. Vous développez cela. Ne tombez pas dans l'autre personne, méprisez les invités de Dieu, vous aurez les mêmes conséquences que désobéir à Dieu. Mais comprenez que c'est un instrument. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On revient sur. Juge chapitre 8. Amen. Alléluia. Et je vais vous parler de quelque chose. Est-ce que admirer quelqu'un, c'est un problème? Est-ce qu'admirer quelqu'un, c'est un problème? Non. Est-ce qu'adorer quelqu'un, c'est un problème? Amen. Donc il y a une différence nette pour juste continuer l'enseignement que je suis en train de développer entre admirer quelqu'un, ce qui est louable. Dans l'admiration, on prend quelqu'un pour un modèle. Gédéon a dit à son peuple, faites comme moi je vais faire. Ils avaient de l'admiration envers lui. Mais c'est pourquoi ils ont dit, ils ont dit, domine sur nous, mais c'est pas ce qu'ils devaient faire. Alléluia. Amen. Les serviteurs de Dieu étaient derrière nous, c'est Dieu qui va dominer chez vous. Admirer quelqu'un, c'est un modèle. Nous tous dans la vie, on a besoin des modèles. Amen. Jésus, c'est le grand modèle, mais parmi les petits Jésus, les hommes et les femmes que vous rencontrez dans la vie, qui peut dire, oh, cette maman-là, je l'aime bien. J'aimerais un jour, je vais être une femme, je vais être comme elle. Cet homme-là, je l'aime bien, j'aimerais être comme lui. Tu ne seras pas exactement comme lui, mais lui, ce qu'il te fait, t'inspire. Ça te crée ce qu'on appelle l'émulation. D'aller dans la bonne direction. C'est ce que fait là l'admiration. Mais adorer quelqu'un, là vous devenez comme les idoles. Là tu adores, là tu offenses Dieu. Parce qu'on adore que c'est le Dieu. Quand tu adores quelqu'un, ça dit que la personne devient, devient indispensable dans ta vie. La personne devient comme l'objet de toute ta dévotion. Amen. Vous voyez pas quand on a un ami de président. Il y a des gens, par exemple, qui,
Là, tu vois, tu le vois, tu adore Obama, tu vois vraiment qu'il adore Obama, tu le vois à la télévision, tu vois qu'il adore Obama. Vous voyez qu'il y a des images, vous pouvez voir ça. Vous voyez un peu. Maintenant, il y a moins qu'il adore qu'en 2008, mais parce qu'ils ont vu que c'était humain. Alléluia. Dieu a fait grâce, mais il avait chaud. Amen. Mais c'est pour montrer simplement qu'on peut admirer, tu peux admirer quelqu'un pour ses valeurs, sa manière de faire. Cela est bon, le corps de Christ. Amen. Le peuple avait de l'admiration pour lui, mais il a mal répondu, il domine sur nous. Mais c'était l'admiration pour elle, lui. C'était un bon leader. Mais adorer quelqu'un, et faire, il voyait un peu, il y a des pasteurs quand ils entrent quelque part, pour les saluer, il faut faire ça. Donc, tout le monde fait ça. J'ai vu ça dans les vidéos, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est pas normal. C'est pas normal. Amen. Pourquoi ça gêne pas les gens? Quand les gens ont voulu s'agener avec devant Pierre, Pierre a dit, je suis un homme comme vous, pourquoi vous voulez vous agener devant moi? Devant Paul, quand Paul et Silas à Lystre, on a vu ça dans l'enseignement, les gens ont voulu l'adorer. Non, ils ont déchiré des habits. On va vous expliquer qui vous devez adorer, c'est Dieu. Vous voyez dans le monde, quand on dit, Céline Dion joue au centre belle, mais il y a des gens qui adorent Céline Dion. C'est des idolâtres tout simplement. Tu peux admirer quelqu'un sans pouvoir, l'adorer. Alléluia. C'est, amen. Amen. La deuxième leçon que nous voyons, les mêmes choses que tu as détruites au début de ton parcours peuvent revenir et te piéger. C'est pourquoi vous devez savoir d'où vous venez quand vous êtes devenu chrétien. De quoi tu as été délivré? Qu'est-ce qui t'a retenu quand tu es dans le monde? N'aie pas oublié ces choses parce que Satan n'est pas un inventeur des choses. Il va garder les mêmes choses pour. La Bible dit quand on chasse un démon, il va aller, il va chercher à retourner. Jésus a dit quand Jésus était dans le désert, il est écrit que le diable est parti pour attendre le moment favorable. Le diable revient toujours à la même chose qui t'ont bloqué quand tu ne connaissais pas encore Christ. Vous allez sentir dans les tentations. Je vous savais de quoi je parle. Amen. Ça vient, mais là, il ne peut plus te toucher. Et toi, tu ne peux plus retourner là-bas. Alléluia. Amen. C'est très important. Regardez Gédéon. La première chose quand Dieu l'a appelé, c'est d'aller détruire l'idole qui était dans la maison des paternels. Mais lui, quand le peuple venait lui dire de dominer sur nous, il prend de l'or, du butin, il fait des forts. Des forts, c'est quoi? C'est un habit qu'on protège. Ça peut être, il y a des forts qui sont des statues, il y a des forts qui étaient juste un habit avec des pierres précieuses. C'est pour tirer les pronostics. C'est à l'époque où Dieu pouvait savoir la volonté en faisant les forts. Donc, quand les sacrifices font des fautes, pour savoir que Dieu est d'accord que vous allez au combat ou pas. Vous voyez, David, quand il a Tsiklag, quand il était bandit, il a demandé des fautes. Mais il a pris des fautes, il a fait un grand défaut, il l'a mis dans sa maison. La même. Et cette faute est venue comme une idole pour les enfants d'Israël. Donc, il a pu regarder et dire les fautes que Gédéon a fait, c'est ça qui est le meilleur. Parce que lui, il est comme un Dieu. On va venir simplement faire des fautes pour trouver des solutions. Ils ont oublié Dieu. Et ça a été un piège pour toute sa famille. L'idole qu'il a détruite chez son père est revenue une génération après chez lui. Faites attention, connaissez dans vos familles, qu'est-ce qui lie une famille, quels sont les liens qu'il y a dans la famille. Si dans ta famille il y a eu des gens divorcés avant, faites attention à la génération future. Faites attention, soyez dans la prière et quand vous sentez des choses concourent vers un divorce, entrez en prière, brisez dans la parce que ça va revenir dans la génération qui suit. Alléluia. Amen. C'est extrêmement important dans le parcours de ton appel. Tu regardes les choses dans la vie. Qu'est-ce qui te tenait avant d'aller voir? C'est pas des fois je vous regarde, je dis, ne fais pas ça, ne fais pas. Évite cette personne, évite. J'aime bien les gens, mais des fois je te dis, de ne plus fréquenter quelqu'un. Comme pasteur, je dois te dire. Ça là, cette personne peut être un piège pour toi. Aime-les, mais vis loin de cette personne, parce que toi, avec cette personne-là, ça ne va pas marcher. C'est extrêmement important de regarder cela. Si toi tu ne peux pas discerner qu'est-ce qui a été dans le passé, fais attention, un jour cela va revenir. Et c'est ça qui a causé le problème de Gédéon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez un peu la juge 8 encore. Allons dans juge 8, verset 27. Gloire à Jésus-Christ.